Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil. Aujourd'hui, on va parler lapin. Vous l'avez demandé, vous l'avez, la vidéo sur mon lapin, sur Monsieur Gaston. Mon gros lapin bélier anglais. Je précise bien sur le anglais parce que ce n'est pas un lapin bélier standard. D'ailleurs, on va parler un peu de la race pour commencer. Et donc, le lapin bélier anglais, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est un lapin domestique originaire d'Angleterre qui est caractérisé par des oreilles tombantes et particulièrement longues. Donc, c'est un lapin de taille moyenne qui pèse entre 3, 5 et 5,5 kg. Ses oreilles constituent sa principale caractéristique. Elles sont tombantes, ouvertes vers l'avant et ont des extrémités arrondies. Le lapin bélier a été sélectionné pour avoir des oreilles les plus longues possibles. Et donc, chez le lapin bélier anglais, elles font au moins 58 cm jusqu'à 65 cm. Elles font 12 cm minimum de largeur au milieu. La fourrure est dense. Toutes les couleurs d'Europe sont possibles et admises par le standard. La tête est longue avec un chanfrein brusqué. Busqué, pardon, un corps robuste et allongé, une croupe bien arrondie et une ligne de dos formant une courbe régulière. Un léger fanon peut exister chez la femelle. Bon, tout ça, c'est vraiment les normes du standard pour les lapins qui font des concours. Notre Gaston ne fait pas de concours, mais il aurait pu, hein, il vient d'un bon élevage, d'un élevage en Hollande. Il aurait parfaitement pu être un lapin de concours, mais c'est un gentil lapin de compagnie. On a là un autre exemplaire de lapin bélier, donc avec les grandes oreilles. Bah, il n'y a pas grand-chose à dire de plus, hein. Bon, on en sait déjà un petit peu plus sur la race. Et donc voilà, le mien, Gaston, est donc un mâle de plus de 5 ans, il ne doit pas avoir loin de 6 ans maintenant, entièrement noir, c'est un beau, beau lapin. Il vient de Hollande, mine de rien, j'ai été le chercher jusque là-bas, enfin plutôt on m'a aidé à le ramener. C'est vraiment la race que je voulais, ce n'est pas mon premier lapin, mais c'est vraiment la race que je voulais à ce moment-là. Donc il a une cage géante dans le salon, pas très loin de moi, c'est pour ça qu'il fait autant de bruit, que vous entendez un ton de bazar des fois sur mes enregistrements, parce que malheureusement des fois on est un petit peu réveillé, on va dire, au même moment, même si moi je suis plus réveillée quand même, plus souvent que lui. Donc voilà, vous l'entendez des fois, vous voulez que je vous le présente, le voici. C'est vraiment un super gentil lapin, c'est une super race de lapin. Si vous voulez un gros lapin cool avec tout le monde, les animaux, les enfants, je vous conseille vraiment, vraiment cette race qui est vraiment connue et reconnue pour son calme et sa gentillesse. C'est vraiment des super lapins. Allez, moi je vous laisse avec Gaston en images et en musique. À bientôt tout le monde.